became greener, and we reviewed our health and safety protocols to ensure a safe travel to destination Kenya in the new normal. We have put in place all the necessary measures to make your travel safe and relaxed, from your flight to your hotel of choice, or even as you head out for a game drive, nothing has been left to chance. And there's quite a lot of catch-up to do. Come experience the great wildebeest migration at the Masai Mara. Or if you're into aquatic escapades, then the incredible whale migration at the coast awaits you. So pack up your bags and get ready to spoil yourself to an exciting adventure as you rediscover the true magic of Kenya. Magical Kenya. Rediscover the magic. The wait is over. After what seemed like endless months and weeks of staying at home, it's time to once again take to travel the world. It's time to go on an adventure, relax, unravel, and unwind. At Magical Kenya, we have missed you. And while you were away, a lot happened. Our rhino population increased in number. The vast plains of the Mara became greener. And we reviewed our health and safety protocols to ensure a safe travel to destination Kenya in the new normal. We have put in place all the necessary measures to make your travel safe and relaxed. From your flight to your hotel of choice, or even as you head out for a game drive, nothing has been left to... Bonjour à vous tous. Alors désolé pour ce petit retard, j'espère que vous m'entendez bien. On a eu quelques petits soucis techniques. Donc bienvenue à vous dans ce troisième live. Je ne veux pas appeler ça un webinaire parce que j'aime pas ça. Donc voilà, c'est juste un live. Et aujourd'hui, on va donner la parole à Fred de Aventure Safari sur le Kenya. Voilà, donc avant ça, je vais vous parler un petit peu de l'actualité. Bon, on est revenu de notre fin de trip Polynésie. Avec Tahiti Travel Expert, c'était juste exceptionnel, tout le monde a été enchanté et franchement c'est une expérience, donc suivez-nous parce que à mon avis c'est pas terminé. Voilà, concernant les tarifs agents de voyage, vous verrez que sur le site je vous ai mis en ligne plusieurs tarifs de compagnies aériennes, notamment Air Tahiti Nuit bien sûr, French Bee Air Caraïbes, Sri Lankan qui ont des bons tarifs avec des vols directs maintenant jusqu'à Colombo, et Air Mauritius. Sachant que Air Mauritius, vous pouvez faire un joli combiné avec les Sun Resort et notamment le Sugar Beach. Même chose, vous avez les tarifs agents de voyage sur le site. Voilà. Je viens de rajouter aussi, j'ai pas tellement communiqué dessus, mais les tarifs AGV des hôtels Viva Vindam, des hôtels qui sont en pension tout inclus sur la République Dominicaine notamment, et les Bahamas et le Mexique. Donc vous verrez, suivez bien, parce que d'ici un mois justement, j'ai la chance, j'ai été invité par les hôtels Viva Vindam à aller découvrir leurs 4 hôtels sur la République Dominicaine. Donc j'en profiterai pour vous faire des vidéos live à ce moment-là, et si vous avez des questions, ben c'est le moment de me les envoyer. Voilà, donc autre opération, vous avez vu, je vous ai mis aussi des tarifs AGV de Travel One, qui est un nouveau partenaire, qui est lui-même partenaire d'hôtels sur Madère. Donc il y a 4 ou 5 hôtels avec de très bons tarifs AGV de Travel One, donc regardez et suivez bien, parce que je pense que vous avez compris, il va y avoir une opération Madère à la fin de l'année, un petit éduc tour. J'ai adoré le programme, vous allez voir, un petit peu atypique, donc regardez bien tout ça. Voilà.
Donc, j'ai d'autres opérations en cours, mais bon, ça viendra petit à petit. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour vous en parler. Bon, sachez que de toute façon, si vous voulez contacter un des partenaires, vous pouvez le contacter directement via le site CST Pro. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais laisser la parole à Frédéric. Vous inquiétez pas si je regarde un petit peu à côté parce que mon écran est à côté. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous nous recevez bien. Voilà, donc je vais passer la parole à Frédéric qui est juste là. Voilà, je vais vous aller le découvrir. Bonjour Frédéric, comment tu vas? Bonjour Frédéric, je vais très bien et c'est avec grand plaisir que je vous parle du Kenya où je suis installé depuis la fin des années 90 et où j'organise des safaris, des séjours sur mesure à la carte personnalisée, donc sur cette destination qui est vraiment attachante, exaltante, où on peut vraiment organiser des vacances très enrichissantes. Voilà, donc depuis maintenant quelques décennies, je suis au service des tour opérateurs qui veulent quelque chose d'un petit peu plus des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, je suis sur place pour vous proposer un circuit qui corresponde vraiment à l'attente de vos clients. Je connais très bien le pays puisque en fait j'y suis arrivé donc à la fin des années 90 en tant que logisticien au sein d'une organisation humanitaire. Donc, j'ai commencé par l'humanitaire et j'ai fondé ma propre agence. J'ai commencé en étant guide de safari et puis petit à petit, donc avec mes équipes, j'ai pu donc monter des voyages qui, à mon avis, représentent des vacances hors du commun. Voilà. Donc, Frédéric, je ne sais pas si tu as des questions. Non, moi de mon côté, pas de questions particulières. Bon, c'est ce que je disais. Bon, la connexion est pas terrible, on te perd de temps en temps, mais a priori, on devrait t'entendre. Donc, il n'y a pas de souci, je te laisse continuer. D'accord, ok. Donc, en fait, voilà, tout est possible au Kenya. C'est une destination fabuleuse où, évidemment, en plus des safaris animaliers dans les parcs animaliers qui sont nombreux, hein, donc une richesse exceptionnelle avec plus de 40 parcs et réserves, une infrastructure touristique qui est très rodée, puisque le Kenya est un des premiers pays en Afrique à s'être ouvert au safari photo. Hein, donc en fait, tout est possible. Une multitude d'activités annexes qui peuvent être ajoutées à un circuit classique safari, avec une terminaison sur une très belle côte sur l'océan Indien, avec des plages magnifiques, des plages de rêve. Voilà, tout est possible, c'est vraiment extrêmement riche. On peut vraiment proposer des vacances, de super vacances, vraiment, vraiment valorisantes pour les familles, pour des groupes d'amis. Voilà, donc. En plus, le Kenya est un pays chaleureux du point de vue de sa population. Vraiment, tous les gens qui sont partis au Kenya passer des vacances en gardent vraiment un souvenir mémorable en ayant lié des liens avec les locaux qui sont vraiment chaleureux et très accueillants. Donc voilà, ça fait pour moi, c'est une destination vraiment exceptionnelle, hein, qui a peut-être souffert de clichés, notamment les safaris de masse, hein, qui effectivement ont commencé un petit peu à détériorer l'image de la destination. Mais en fait, c'est tellement, tellement vaste, tellement riche, que le Kenya reste quand même la destination, pour moi, la destination du safari pour vraiment rencontrer la grande faune africaine et même au-delà. Faire des rencontres humaines, voire même des découvertes, des rencontres avec des populations qui restent parmi les plus ancestrales du continent africain. Enfin, voilà, beaucoup de choses à dire sur cette destination, haute en couleur et que je recommande fortement à tous ceux qui veulent un dépaysement hors du commun.
Alors, je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous donner nous poser des questions directement en live hein, sur le site. Il n'y a pas de souci. Je vois que la famille Delalande nous a rejoint. Bonjour Patou, bonjour Ludo. Voilà. Bon, désolé encore pour la connexion parce que Fred, on t'entend bien, mais on perd ta caméra de temps en temps. Voilà. Bon. Hein, donc, bon, c'est pas bien grave, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on t'entende. Voilà, bah, je te laisse continuer. Voilà, donc alors effectivement, on peut, comme j'ai expliqué, on peut aller au-delà du safari classique animalier, hein, donc en faisant se tournant sur le tourisme durable, sur la découverte des peuples africains qui font aussi la richesse du pays. Hein, donc, moi, je propose toujours, effectivement, aux gens qui sont intéressés pour découvrir le Kenya, donc un safari d'abord animalier, et puis j'ajoute des activités, des étapes immersives, si les gens veulent, par exemple, rencontrer le peuple Maasai, c'est tout à fait possible. En essayant de préserver une certaine authenticité, hein, pour ma connaissance du terrain, en fait, depuis la fin des années 90, me permet d'emmener mes voyageurs dans des endroits beaucoup moins courus que le gros des tours opérateurs. Hein. Donc, en fait, on essaie un petit peu de proposer des choses hors des sentiers battus, si les gens sont prêts, justement, à sortir des circuits classiques. Hein. Donc, voilà, que dire sur la grande faune qui est vraiment omniprésente avec, comme je l'ai dit, plus de 40 parcs et réserves, et chaque parc est une entité vraiment particulière, où il n'y a absolument aucune redondance. Chaque parc est différent, une diversité vraiment exceptionnelle, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vraiment, le Kenya est un carrefour géographique où pendant une semaine ou 10 jours, si vous voulez faire un circuit itinérant, on ne se lasse absolument pas de ces paysages grandioses qui défilent avec des faunes différentes, diverses d'un parc à l'autre. Voilà, donc en fait, c'est une destination qui mérite d'être présentée à tous les voyageurs qui sont en quête d'un dépaysement, un fort dépaysement. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions précises, je peux effectivement vous répondre plus précisément sur des choses qui peut-être vous intéresseraient de savoir. Écoute, je regarde. Bon, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Je pense que nos auditeurs sont hyper pointus sur le Kenya. Bon, moi, une chose qui m'intéresse, c'est de connaître parce que je viendrai bien au Kenya. Donc, quelles sont les conditions sanitaires actuellement? Ça se passe comment sur place? Alors, sur place, le Kenya s'en sort plutôt bien du point de vue de la pandémie. Hein, donc ça fait déjà presque 2 ans. En fait, on a assez peu de. Le système de santé local a jamais été débordé par les cas sévères de Covid. Hein, donc, en fait, c'est une indication hein, que du point de vue sanitaire, le pays s'en est bien sorti. Le pays s'est fermé rapidement, a fermé ses frontières dès les débuts de la pandémie. En instituant des règles sanitaires assez strictes, donc couvre-feu, port du masque, bon, tout ça s'est mis en place assez rapidement. Et puis ils ont réouvert aussi, assez rapidement aussi leurs frontières, hein, avec une pandémie comme bien contrôlée, hein, avec des cas qui n'ont jamais explosé. Alors bon, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais de toute façon, le Kenya reste une destination où d'un point de vue sanitaire, c'est tout à fait safe, c'est tout à fait sécurisé. Hein. Là, actuellement, il n'y a plus de couvre-feu. On est à quelques dizaines de cas mortels par jour, avec quelques dizaines seulement
de gens hospitalisés en soins intensifs. Donc, on reste toujours, c'est très stable. Hein, depuis 2 ans, on reste au même niveau. Le Kenya a institué, les vaccinations sont en route. Hein. En fait, la population se vaccine. Donc, en fait, on est arrivé à 30% de pourcents, ce qui est un petit peu... bon, on est en arrière des pays du Nord, mais bon, par rapport aux autres pays africains... Oui, mais la concentration de population n'est pas forcément la même que chez nous. Voilà. Donc, en fait, je dirais, d'un point de vue sanitaire, c'est un pays qui est tout à fait... D'accord. Et au niveau des formalités d'entrée, rien de particulier sans problème. Alors, au niveau des formalités, non, si ce n'est le carnet de vaccination pour la COVID, qui est... le certificat de vaccination pour la COVID qui est obligatoire non seulement pour sortir de France, mais aussi pour entrer au Kenya. Donc, il faut être vacciné, mais ça, de toute façon, les gens qui voyagent de France doivent être vaccinés. Un test PCR est demandé 72 heures avant d'arriver au Kenya. À part ça, il n'y a pas de restriction supplémentaire, si ce n'est le port du masque, évidemment, dans les lieux publics. Hein, quand vous êtes dans le véhicule avec votre guide privé, le guide porte le masque, le guide est vacciné. Entre vous, évidemment, dans le véhicule, vous n'avez pas à porter le masque. Donc voilà, c'est assez flexible. Donc on peut passer des vacances sans vraiment s'apercevoir d'une restriction lourde sur le voyage. D'accord, ok. Bah, tiens, j'ai une question. J'imagine que tu vas me répondre oui, mais concernant l'organisation de circuits de safari en 4x4 privatif, j'imagine que ça te pose pas de soucis. Ah non, absolument. Absolument pas, non. En fait, au niveau, il n'y a absolument aucune contrainte dans la mesure où le guide a l'habitude. De travailler avec son masque, hein, il est lui-même vacciné, donc les véhicules évidemment sont désinfectés avant d'être utilisés pour les safaris, les logements pareil dans les parcs ou aux abords des parcs suivent des règles strictes de sanitaires, hein, donc tout ça est très rodé, hein, en fait on n'a vraiment pas l'impression de passer des vacances dans une situation pandémique, peut-être un petit peu. Moi, je pense que là, ça s'ouvre un petit peu en Europe, mais je pense que l'Europe a connu des moments très difficiles. Je pense que la question de Patou, c'était surtout de savoir si tu pouvais les organiser. Voilà, et à la limite, tu peux faire des circuits de combien de personnes si on te demande du privatif. Ah oui, alors d'accord. D'accord. De façon générale, le privatif, alors ça dépend de la capacité des véhicules. C'est en général 6 pour être à l'aise dans un véhicule. C'est le maximum que je recommande, sachant qu'il y a quand même 8 sièges dans un véhicule. Ça, c'est le maximum. Bon, à 8, c'est possible, mais c'est peu recommandable dans la mesure où, avec les bagages, on est moins à l'aise que 6. C'est un bon chiffre. Donc 6 par véhicule. Ça, c'est le maximum que je conseille, hein, que ce soit en 4x4 ou en minivan, parce qu'en fait, on a deux types de véhicules. On a un véhicule qui est préparé pour les safaris, donc qui est plus léger, c'est le minivan avec un toit ouvrant comme la Jeep classique, mais qui a une différence de coût quand même assez importante. Pour des budgets plus limités, je peux orienter les gens vers ce moyen de transport qui, en fait, fonctionne très bien sur un circuit découverte itinérant. Hein, le minivan est un petit peu plus limité en hauteur pour passer sur des pistes un petit peu chaotiques, mais il passe vraiment partout. Il est 4x4 également, il est rapide, économique, et puis rapide en liaison. Donc en fait, c'est un véhicule pratique, hein, d'un point de vue coût, qui permet de proposer des tarifs qui soient abordables si les gens ont une limite assez stricte sur leur budget. Donc voilà, deux types de véhicules. En privatif, ça va d'une personne, on peut prendre évidemment une personne, bon, le coût du transport et de l'encadrement évidemment est plus élevé, jusqu'à 6 par véhicule. Hein, on peut, pour des groupes plus importants, évidemment, on peut ajouter des véhicules. D'accord, ok. Il n'y a pas de limite. Hein.
D'accord, donc ça, bon, tu vas construire tes circuits. J'imagine que tu as des partenaires hôteliers aussi sur place, dans le cas où tes clients te demandent, par exemple, un combiné. Tu as des partenaires, j'allais dire partenaires particuliers sur place, qui travaillent régulièrement avec toi? Bien sûr, alors bien sûr, oui. Donc les ce qu'on appelle les lodges, donc les structures hôtelières qui sont aux abords ou dans les parcs. Donc moi j'ai fait une sélection évidemment hein, avec qui je travaille depuis des années. C'est une sélection évidemment comment dire que j'ai faite avec soin dans la mesure où la structure propose un rapport prix-qualité que j'estime être vraiment intéressant. Donc en fait effectivement avec ces structures avec lesquelles je travaille depuis des années, je peux effectivement avoir des tarifs préférentiels. Et donc, je les propose, en général, je les propose sur mes circuits, et de façon à avoir des prix beaucoup plus attractifs. Bon, ceci dit, je suis ouvert aussi à d'autres. Si les gens me suggèrent d'autres structures avec lesquelles je travaille beaucoup moins, évidemment, je peux aussi faire une offre. Ok, d'accord. Bon, alors, je suppose que les agents de voyage le savent, mais ce serait peut-être bien de rappeler tout ça. Au niveau des périodes, qu'est-ce qui, toi, te semble mieux pour venir visiter le Kenya et faire donc pouvoir aborder les pistes dans un climat correct? Alors évidemment, il faut. Je recommande toujours d'éviter la mousson, enfin, les saisons des pluies. Il y a deux saisons des pluies. Il y en a une qui dure un peu. C'est en fait la saison des pluies, la grande saison des pluies qui démarre début avril et qui se termine début juillet. Où là, effectivement, les safaris sont organisables, mais bon. Dans des conditions climatiques qui peuvent un petit peu être gênantes. Donc là, en dehors d'avril et début juillet, bah, en fait, toute la saison est clémente. Il faut savoir qu'il y a une saison sèche du mois de janvier au mois de mars, où, assez prisée, parce que là, on tombe aussi pendant les vacances de février, où les familles aiment bien venir pendant les vacances scolaires. Donc là, on a une période assez demandée au mois de février, hein. C'est une période idéale parce qu'il fait chaud sec. Les animaux sont le plus souvent regroupés près des points d'eau, donc assez facilement repérables, ce qui offre un safari assez riche hein, de point de vue animalier. Les animaux sont regroupés dans les réserves et les parcs. Hein. Et puis on a aussi l'été. Bon, l'été, c'est une période demandée hein, à cause des vacances scolaires où on a la grande migration, la fameuse grande migration des gnous et des zèbres au Masai Mara, notamment au mois de juillet août. Hein, donc là, c'est une période aussi bon, un petit peu moins chaude, un petit peu plus tempérée, mais où on a beaucoup, beaucoup d'animaux aussi. Hein. Bon, pour les gens qui voyagent peut-être sans enfants en dehors des périodes scolaires, moi je recommande souvent septembre, qui est vraiment une belle saison. Hein, septembre-octobre, on est sur une période un peu moins chaude, un peu plus tempérée, où les animaux sont encore présents dans les réserves et surtout où les parcs sont beaucoup moins fréquentés, surtout les logements. Hein. Évidemment, en haute saison, on peut se retrouver dans un lodge quand même assez dense en visiteurs. Hein. Donc, si les gens veulent éviter les hautes saisons, on peut tout à fait venir au mois de septembre, octobre. Hein, ce sont des belles saisons. Alors, évidemment, il y a aussi l'hiver, hein, les fêtes de Noël et la fin de l'année, hein, le jour de l'an, donc ça c'est assez demandé aussi. Hein. C'est une belle saison aussi, où là il fait le climat est bon, il commence à faire chaud, les animaux sont toujours présents dans les parcs. Donc, en fait, grosso modo, je dirais qu'il faudrait éviter quand même la saison des pluies qui est la longue saison des pluies, donc de mars à fin juin. Ok, d'accord. Alors, je regarde. Bon, pour l'instant, a priori, pas de questions particulières. Je m'excuse, hein, j'ai dû remplacer la vidéo de Fred par quelques photos parce qu'on l'a perdu complètement. Mais c'est pas grave. Vous avez pu voir comme ça quelques photos du Kenya. Et puis, dis-moi, on a mis une opération en place ensemble. Tu peux nous en parler? Alors oui, j'ai mis au point un circuit découverte, un circuit itinérant découverte assez attractif
qui j'espère sur le plan des tarifs convient aux voyageurs. Et puis je propose évidemment d'offrir une place gratuite pour 10 packs, enfin 10 personnes parties en safari. Donc ça peut être le moyen pour les professionnels de venir un peu découvrir la destination et d'accompagner un groupe et de venir donc sur une semaine, 10 jours. Hein, donc je peux proposer un circuit assez classique, qui paraît classique, mais qui en fait est une belle présentation de la diversité des parcs. Hein, donc en fait un circuit itinérant qui part de Nairobi et qui se termine sur la côte de l'océan Indien en une semaine. On a un magnifique kaléidoscope animalier de paysages. C'est très riche. Hein, donc en fait c'est un circuit que je recommande fortement et que je pourrais présenter à tous ceux qui souhaitent avoir les détails. Hein, donc voilà. Ok. Bon, en attendant, je te remercie. Je vais repasser tranquillement à l'écran. Bon, voilà, Fred nous a présenté. Si vous avez des questions, vous avez encore quelques secondes parce qu'on a un décalage en fait, donc je vais attendre quelques secondes si vous avez des questions à Fred, sachant que Fred vous mettra ses coordonnées directement dans les commentaires de la vidéo, qui restera de toute façon sur le groupe CST Pro. Voilà, et sachez que aussi vous pourrez le contacter directement via le site CST Pro. Voilà. Dernier petit message que je voulais passer. Si jamais certains d'entre vous ont des contacts sur la Réunion et je perds mes mots. Donc sur la Réunion essentiellement, et les Maldives, pardon, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des tarifs agents de voyage sur certains hôtels là-haut. Donc si jamais vous avez des contacts, n'hésitez pas à me les envoyer, je les partagerai avec plaisir. Voilà. Donc en attendant, bon, je vois que pour l'instant il n'y a pas de questions. Bah écoute Fred, je ne vais pas remettre ton image parce qu'on ne voit pas. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Voilà. Mais écoute, on va laisser nos auditeurs terminer. Et puis moi je vais repasser la vidéo de Magic Kenya pour terminer. En attendant, je te remercie. Et puis je pense que les auditeurs n'hésiteront pas à te contacter si besoin. Merci Frédéric. Mais je t'en prie. Donc merci à vous tous. Je vous remets tout de suite la dernière petite vidéo qu'on a eue en introduction. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. The wait is over. After what seemed like endless months and weeks of staying at home, it's time to once again take to travel the world. It's time to go on an adventure, relax, unravel, and unwind. At Magical Kenya, we have missed you. And while you were away, a lot happened. Our rhino population increased in number. The vast plains of the Mara became greener. And we reviewed our health and safety protocols to ensure a safe travel to destination Kenya in the new normal. We have put in place all the necessary measures to make your travel safe and relaxed, from your flight to your hotel of choice, or even as you head out for a game drive, nothing has been left to chance. And there's quite a lot of catch-up to do. Come experience the great wildebeest migration at the Masai Mara. Or if you're into aquatic escapades, then the incredible whale migration at the coast awaits you.
So pack up your bags and get ready to spoil yourself to an exciting adventure as you rediscover the true magic of Kenya. Magical Kenya. Rediscover the magic.